Moi, je suis kiné à la base et j'accompagne des cavaliers en préparation mentale pour l'instant. Le but du jeu, c'est de pouvoir arrêter la kiné à un moment donné et de mettre plus de coaching et préparation mentale dans mon activité pro. En fait, j'ai lu le bouquin de Pierre et dans ce bouquin, je me suis dit waouh, en fait, ça connecte tout ce que j'avais découvert en fait au fil de mes recherches perso et des connaissances que j'avais acquis à droite à gauche, mais où je trouvais pas de sorte de structure qui rassemble tout ça à un endroit. Et ben en lisant le bouquin, je me suis dit waouh, en fait tout prenait forme, et je me suis dit waouh, c'est l'endroit en fait où ce truc que je sais qui est là, ben en fait c'est matérialisé quoi. Elle se mettait trop de barrières. Elle faisait trop attention au regard des gens, elle faisait trop attention à ce que les autres pourraient penser. Bref, enfin, j'allais vraiment à droite à gauche sans jamais vraiment trouver le truc qui me permettait d'aller là où j'avais envie d'aller en fait. Ouais, en vrai, je crois que je me mets 1000 fois moins de barrières. Le regard des autres, il est encore un peu là par moment sur certains trucs, mais je le vois et je vois bien où ça vient se jouer, donc c'est ça qui est différent aussi. Et en général, j'arrive à le faire sauter assez vite. Je fais une petite dépo express dans la tête et ça saute. C'est la première fois ou la dernière fois, tu vois, je me suis posé la question pour un truc. C'est quoi le problème que j'ai en ce moment? Ben, en fait, j'avais pas de problème, tu vois. C'est genre... genre, pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression de pas avoir de problème, en fait, c'est bien. J'ai mis un peu de temps avant de passer à l'action parce que c'était financier. Je venais de perdre beaucoup d'argent et du coup, j'ai lu ce bouquin, je me suis intéressée, j'ai eu un premier appel découverte, je sais plus avec qui. Et en fait, à ce moment-là, je sentais qu'il fallait que j'y aille, mais franchement, je me disais, ah, non, mais là, c'est trop d'investissements financiers, ça a pas, enfin, j'avais trop peur en fait. Donc, je l'ai pas fait. Et puis, la vie m'a mis d'autres challenges. Et dans ces challenges, en fait, j'ai quand même récupéré un peu d'argent. Et du coup, je me suis dit, OK, ben, en fait, ça y est, là, c'est le bon moment. Et du coup, j'ai appelé. Et là, en réalité, je crois que j'ai pas trop réfléchi. Je savais, au fond de moi, de toute façon, je savais qu'il fallait que j'aille là, en fait. Pour moi, il n'y a rien de plus puissant. C'est clairement, de tout ce que j'ai expérimenté, il n'y a rien de plus rapide et puissant que la dépo. Fonce. Franchement, fonce. L'académie, c'est et ça restera du coup un des gros tremplins dans ma vie, clairement. C'est vraiment ce qui me permet de passer de celle que j'étais avec toutes ces peurs, avec tout ça, à celle d'aujourd'hui qui s'autorise à croire à la vie de ses rêves en fait. L'académie, c'est clair que ça restera un gros tremplin dans ma vie. Enfin, ça restera le truc qui me permet de décoller en fait. J'ai la certitude aujourd'hui qu'un jour je me retournerai et que je me dirai c'est grâce à ça qu'aujourd'hui je vis la vie de mes rêves.